Bonjour à tous et à toutes, ici nous retrouvons sur le jeu Pace, c'est un jeu indé très sympa, que je jouais beaucoup. Nous allons commencer une partie. Ça fait peur. Ah, il y a un moment, ça fait quand même plus peur, hein. Donc nous allons faire une nouvelle partie pour vous. Donc nous contrôlons un petit personnage très marrant, très comique d'ailleurs. C'est ce petit truc là. Faut juste que je règle un truc. Ah, si je peux. Ah, je se pète. Le personnage vous pète. Voilà, moi c'est réglé, j'ai le son assez bien mis. Comme ça vous m'entendez de toute façon toujours bien, hein. Normalement ça n'influe pas dans le gameplay. Donc nous allons commencer, regarder comme ça. Merde, je suis gouré. Ah ouais, du coup je peux accéder à l'option quand je me gourde tout, d'accord. Écoute, non, j'ai une gourde. C'est pas ce que je voulais faire. Après, j'espère que vous m'entendez bien, sinon j'aurais réglé le son du jeu. Donc, nous allons... Non, ça ne peut pas rien. Ah non, non, non. Attendez. Ah, je sais. Du coup, il y a mon personnage qui dort. C'est génial. On bat carrément les cacahuètes. Bon, ben je sais pas quoi. Ah, mais oui, je suis con. Mais oui, justement. Mais alors, regarde une fois, c'est quoi la commande. Option aide. C'est ça. Commande. Alors. Action. Gauche. Barre d'espace sauté. Parler. Touche mage. Oh, d'accord. Merci Captain Odious. C'est bon. Nous pouvons reprendre sa partie. Apparemment c'est la touche mage. Oui, c'est ça, c'est bien la touche mage. Ah merde. D'accord. Ça fait blablabla. Gomez. Salut Gomez. Je m'appelle Gomez. Oh, révélation. Nous savons le nom du joueur, du personnage. Ouais. En espérant que ça rame pas chez vous. Normalement, ça devrait pas ramer. C'est un peu plus grand que vous, quand même. Merde, le bouton. Je suis dingue, j'ai vécu ici. Je l'écoute en même temps. Je l'ai sur PS Vita aussi. Oh purée, je me suis tombé de haut. Quand je suis tout seul, en fait, je préfère y jouer sur PS Vita parce que la PS Vita est beaucoup plus petite. Merde, je suis rentré dans ma maison. Quand je suis en... En fait, j'ai acheté sur PC pour mes vidéos. Quoi. Je sais pas, j'ai pas filmé ma PS Vita, ça a donné une mauvaise qualité. Regardez comme c'est mignon quand même, n'empêche. Oh, kawaii. Bon, nous allons monter. Ça fait une... Ugh.
Je me rappelle pas du chat, moi. C'est un frère. C'est vrai que moi j'ai regardé par la suite et j'ai peut-être pas fait attention. Et voilà. Aujourd'hui est le jour spécial. L'aventure est là. Et toi, à toi de jouer, Gomez. Ah, je m'appelle Gomez, carrément. C'est parti! Bon, vous allez voir, il va y avoir des trucs bizarres. Ça m'a fait peur la première fois que j'ai connu le jeu. Je croyais que mon PC avait planté. Il y avait des débuts. Mais non, c'est fait exprès, en fait. C'est vraiment fait pour faire flipper la personne, en fait. Au début, je veux pas savoir, donc du coup, je suis dit au truc. Là que je joue un jeu tout mignon et tout sympa, et tout sympa, et on retourne avec ça. Là, on va passer. On va passer. Pas malade, hein. C'est un problème de maladie assez que j'ai depuis tout petit. C'est une maladie, bon, je sais pas qu'est-ce que c'est, un problème aussi. Oh, joli truc de qui ressemble à la même bazar que Aladdin. Le même truc que Aladdin porte. Et... Oups. Ça y est, il est content. Oh mon dieu, on le reconnaît un peu. Et qui c'est? Non mais sérieux, c'est qui? Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai posé des questions. Ne vous inquiétez pas, ça fait ça, hein. Ça fait peur au début quand on s'y attend pas. On pense que ça a carrément fait planter péter le PC, mais non, c'est fait exprès. Ben, ça fait peur, quoi. Et voilà, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout, merci d'être passé. Et il est marrant avec ses yeux là. Regardez qu'est-ce qui se passe maintenant. Regardez. On peut changer dans le... Ah, je sais pas quoi. Il est en 3D. Gomez, il y a eu un problème. J'ai besoin de ton aide. Je suis là pour te tuer. Je m'appelle Don. Je remercie. Dexter Bro a été factionné. Tous les traitements ont été éparpillés dans le monde. Tu dois le réformer. Dans cette tête de Bro, tout s'écoulera. Tu as reçu un don. Un grand secret a été révélé.
Il existe un monde au-delà de ton village et d'autres dimensions que celles que tu as, que tu connais. Cette force te mène vers le monde extérieur, mais pour le moment elle est fermée. Le symbole de dessus indique qu'elle ne s'ouvrera qu'une fois que tu auras trouvé au moins un cube. Un seul. Il y a beaucoup de portes comme celle-ci dans le monde. Chacun requiert plus de cubes que la précédente. Pour atteindre la fin de ce voyage, il te faudra les 32 cubes. Mais tu dois d'abord quitter cet endroit. Ce village abrite 8 morceaux de cubes, comme celui-ci. Rassemble-les pour former un seul cube que tu pourras utiliser pour ouvrir la porte secrète. Trouve-les. Petit rappel rapide, les cubes dorés brillants, très importants. Trouve-les aussi. Ou l'univers s'effondrera, blablabla, pas de stress. Souviens-toi. Oui, merci, je sais, j'ai joué à ce jeu, je joue déjà avant que tu me l'expliques. Oh, comment on fait? Non, j'ai con. Ça y est, trop mignon ce personnage. Voilà le gameplay. Oh merde, et du coup je me fais ta gueule. Voilà le gameplay, à quoi ressemble ce gameplay. Tout. Vous inquiétez pas, c'est normal, je vérifie un truc. On est déjà à 12. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort. J'ai vu un carré diabolique. Ah mon dieu, mais ils sont satanistes ces carrés. Nous allons tous mûrir. N'oublie pas de sauter, jeune padawan. Oui. Je suis même pas sur ma maison. Oui, c'est ça, je suis rentré dans ma maison. C'est le jour d'Epic Fail. N'arrête pas de rentrer dans ma maison et de ressortir. Ça va pas m'aider pour les aventures. Merde. Saloperie. Je t'envoie te faire foutre. Non mais sérieusement, je n'en ai rien à foutre en fait. Voilà. On fait pas ça, mais j'ai la flemme. Donc allons récupérer pour cet épisode-ci les premiers cubes. Non, c'est mignon. Tu as trouvé une clé. Non, c'est vrai. Attendez, je retrouve tout. Les clés peuvent ouvrir toutes les portes fermées, mais tu ne peux les utiliser qu'une fois. Un peu l'envers. Voilà. Putain, il n'arrive pas à sortir.
Ah. Si je retrouve mes boutons, ce sera un génialissime réussite. J'ai de la merde. Allez. Elle remonte. Mais non, mais pas par là. Ah, mais non. Ah. En fait, j'essaie de trouver la zone. Je sais plus comment j'avais fait, mais... Pour monter, en fait. Ah, mais d'accord. Tu es de retour. En fait, il y a une anecdote qui se fait. Oula, il était bugué à un moment. Ah ouais, quand même. Il y avait une anecdote sur ce personnage. C'est que au début, quand j'ai joué et qu'à un moment j'ai quitté, il m'avait dit ça, mais moi je pensais qu'il disait ça parce que j'avais quitté le jeu après un moment et je suis revenu. Enfin, j'avais quitté le jeu et je suis revenu après quelques temps. Et j'ai pu jouer avec ce jeu, donc du coup je pensais que le personnage là réglait le. En fait, prenait en temps. Ben en bref, comme s'il savait déjà. Ah, c'est John Bully. Ça fait si longtemps. Mon tour est venu maintenant. Je suis fatigué. Et plus avec ces trucs là. Allez. Bah où? On va venir voir. Oui, je m'en fous de la meuf, ça m'intéresse pas. Donc le jeu s'appelle Phase, si vous êtes intéressé, il est vendu sur Steam, sur PS Vita, sur console, vous pouvez l'avoir sur n'importe quelle plateforme, sauf sur PS. DS n'y est pas, je suis pas sûr, après je peux me tromper, mais il me semble de ne pas l'avoir vu. Et c'était un jeu qui m'intriguait beaucoup. Oui. Et du fait qu'il faut regarder, je vais être dans le bon sens aussi, parce que comme vous voyez, si j'appuie sur CTRL et que je suis pas dans le bon sens, ça ne changera rien. Voilà, j'ai trouvé une clé. Mais content le petit. Mais non, il faut sortir. Oula! Oh. Non mais t'as oublié un truc avec ça. Oui, c'est pas pratique. Oui, le but c'est de jouer avec les effets. En fait, la perspective dans ce jeu n'est pas très logique. Oh là. Si, merde. Enfin, j'arrive pas à viser. Si vous voulez, là, je... Ah non, je peux pas. Donc vous voyez ici, par exemple, je peux sauter. Enfin, si j'y arrive, parce que j'ai du mal avec les commandes. J'ai l'habitude de jouer sur. Pour les résultats, c'est plus facile que sur PC. Enfin, pour moi, après, c'est que le PC. Donc regardez, en fait, la logique, c'est que les blocs ne sont pas dans la même dimension. Et que quand vous tournez les trucs,
Normalement, comme vous regardez, le bloc n'est pas au même endroit, dans le même champ de perspective. Et pourtant, si je mets comme ça, je peux sauter dessus. Ah, mais mon Dieu, mais comment il fait? C'est de la magie! Et comme ça, ben, c'est le même, regardez. Normalement, je suis censé de pas savoir sauter sur ce truc. Eh ben, si je fais ça, donc je vous remonte, regardez, hop, vous voyez, c'est pas le même champ de perspective. Je vais là, et je saute, et voilà, regardez, c'est magique. Je suis trop fort. Donc voilà comment c'est fait. Alors, hop là. Voilà, j'ai pas lu encore me péter la gueule. J'ai récupéré ce bloc. Et il va où mon personnage là? Merci. T'es sérieux toi? Déjà elle est là, non? Donc oui. Ben, rentre dedans. Tu as trouvé une carte de terreur. Une carte de quoi? Pour où? Je ne sais pas. Trouve-le par toi-même. Ouais, pour aller où? Elle a marqué la page. Ce n'est pas grave, c'est parce que je parle. Je lis trop vite. Ceci est fini. Et puis même si ça vous plaît pas. Oh puis. Alors. Oui, je prends du grand. Oula, c'est vide. C'est bizarre, je vois. Je me souviens pas de cet endroit. Et comme on le voit, le chat il n'est plus là. Donc à mon avis au début le chat était bien là, mais après il a disparu. Et comment on descend? Non mais c'est con quoi. Il est con sérieux. Vous n'allez pas me dire au contraire quand même. Mais c'est là. Voilà. Oh, ça y est, il a réussi. Et là, je sais pas. Voilà. Je sais pas comment je me suis pris pour avoir tous les cubes dans l'autre version. Oh non, c'est point. Peut-être parce que je suis déconcentré, je regarde bien. Je suis parti. Tant qu'il me manque de cubes. On va plus laisser un. La musique est belle. Oula, doucement. Oula. Se calme. Vous avez remarqué que la musique est étouffée en fait quand le personnage n'est pas dans la même zone. Ça y est.
je revois mon petit personnage tout mignon. Non mais... j'aimerais terminer au moins cette phase-ci avant de vous quitter. Bon, en notant que si mon truc... Non, c'est... je suis déjà arrivé ici. En notant que si mon truc coupe, je ne sais pas. Je n'irai pas du tout. Je pense que ça devrait être nickel. Je vérifie rapidement. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, je suis à 25 minutes, donc... Oula. Parce qu'après, ça va être assez chaud à uploader. Surtout qu'il faut voir si c'est fluide, parce que j'ai mis en 720. Si la qualité est rameuse, donc si le jeu rame, je serai obligé de recommencer encore et de refaire le let's play avec une qualité meilleure. Ce qui est logique, on est bien d'accord. Alors moi, ça doit aller parce que c'est un mini-jeu, c'est un petit jeu, rien du tout. Je dois pas demander autant de puissance pour filmer. Nous là mon gars, t'as une couleur bizarre. Il est en train de muter le personnage. Ça me trottine dans la tête. Et où j'ai allé pour... Elle est là en tout cas. À rien, à moins qu'elle débloque des trucs quand on parle, je sais pas. On va rentrer dans ta maison, trop mignon avec ta tête de con. Ah ben c'est ce que je me disais aussi. Ah ben plus qu'un. Oh, bonne chère. C'est bien qu'au moins, au moins tu reviens au même niveau. Au moins vous êtes déjà rassuré qu'il n'y a pas de vie. Et lui, c'est infini. Faites la gueule, bah, tu reviens au départ. Hein. Il n'y a pas de soucis. Nickel Chrome. Mais tu peux monter là. Des fois votre personnage va casser les couilles. Y'a rien ici, mais d'accord. C'est un mix. Je sais pas où le bloc que j'avais trouvé déjà. Ah mais il y a un truc à faire. Je pense que ça vient avec le bloc qui doit être à l'intérieur. Ah non. Ah c'est bizarre, je sais pas trop où il faut encore avoir un cube. C'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que il semble avoir visité partout. Oui, du fait que je me pète la gueule aussi pour une minute. Du guéquignal. Ah mais il y a deux maisons en fait. C'est ça en fait. Ouais. Ça, ici c'est la maison du pépé. Donc de son grand-père ou autre. Noter que cette maison là c'est pas l'autre, je pense qu'il y en a une autre un peu plus haut, c'est pas ça, je sais pas, non j'ai rêvé, ah non j'ai rêvé en fait, ah non c'est le coffre, je sais qu'il n'y en a pas une autre quelque part,
perdu. Oh, ça s'appelle facile à avoir. Je ne sais pas. Non, c'est ici, elle doit être quelque part ici en fait. Pourquoi il n'y a pas? Oh là, c'est bizarre. Ici est bizarre. Ah mais lâche ça. Non mais sérieux, t'es con quoi. J'adore quand on rajoute des personnages inanimés qui ont une vie. Enfin, je veux dire, c'est qu'un personnage, si tu veux qu'il se dise, c'est qu'il dit « Ouais, ouais, il est pas fait ça. » Comme s'il n'y a rien ici, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien ici. Dans ma maison, il n'y a rien, j'ai pas de traitement. Si vous avez vu le bloc, au cas où j'arrête avant la fin, quand il ne manque plus qu'un bloc, je ne trouve pas. C'est bizarre que sur PS Vita, je les ai tous trouvés et je dois passer au niveau suivant. Est-ce qu'ils ont modifié le gameplay ou... On note bien qu'elle est vide celle-là. Je sais pas, à quoi elle sert, je sais pas. Elle est vide. À quoi ça sert? Faire une maison vide. Je sais pas. Je sais pas, c'est quoi la logique de la chose? Quoi? Décider de faire une maison vide. Ça sert à rien. Il lui manque un seul cube et il s'est tombé là. Non, non, vraiment, je suis passé là, je sais pas où il faut. Ah, c'est pas ça. Je ne comprends pas.
Bah bientôt arrêtez les gars, j'arrive pas, tant pis, on trouve pas ça une autre fois. C'est un peu zarbi que... Pas trouvé le dernier cube. Que je suis... Que je suis bien l'endroit, mais je sais pas lequel. Ça me semble d'avoir quitté toute la map. J'arrête pas de rentrer dans les maisons. Et là aussi j'ai déjà pris le cube. Il n'y en a qu'un par zone. Ici aussi c'est vide. Quoi ça sert? Y'a rien. C'est quoi ce bêtise? Pourquoi y'a des salles vides? À quoi ça sert? Et du coup, on a mis où mon cube? Il est où mon cube manquant? Non mais là, rien ne va plus les amis. Y'a plus de logique. Là, doucement. Oh, joli saut. Raté, mais joli quand même. Ok. C'est mieux que moi, toi, en fait. Hein. Dans la vraie vie, c'est mon personnage qui serait le meilleur moyen de présenter. Ah, mais oui. Là, le combat gagnant du personnage le plus nul au monde. Hein, parce que... Qu'est-ce que... Parce que... Pas volé, hein. Bon, bah, je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai le cube. Bonjour, c'est moi. J'ai raté un truc, c'est ou quoi, mais... Prendre deux secondes... Garder un truc... Je vais garder un truc rapidement... Ah bah je peux pas parce qu'il y a, internet qui a coupé, qui a crashé, je sais pas pourquoi... Je peux même pas... Eh ben je vous dis à bientôt sur ma vidéo parce que ça fait déjà un bon moment qu'elle tourne. Ça fait 38 minutes qu'elle tourne en vidéo. Donc on verra au prochain épisode pour essayer de régler ce souci de cube qui manque. C'est que j'ai oublié de regarder quelque part. C'est peut-être un peu con, mais bon voilà. Comme on dit, on peut se gourer, ça peut arriver, hein. Donc je vous dis bye bye et à bientôt sur le Mi 13.